Bonjour, je vous retrouve pour la présentation eh bien, de la box Le Boudoir du mois d'avril. Elle est là. Je publie la vidéo un peu en avance par rapport à l'habitude, donc il est fort possible que certaines d'entre vous ne l'aient pas encore reçue puisque les premiers envois se sont faits avant-hier, hier, et ça va se poursuivre encore demain. Mais pour une question de programmation, c'était beaucoup plus pratique pour moi. De toute façon, vous n'allez pas être spoilé si vous ne voulez pas la regarder. Le contenu n'est pas mis sur la miniature. Commençons par le cadeau Box Gold. Il s'agit de la marque Egg Bleu Bijoux qui offre en fait une parure. Donc le bracelet, le collier. C'est une marque qui vient du sud, des Martiques, de Marseille aussi. C'est donc la parure Elena. J'ai pas l'impression que je porte la bonne tenue. Une perle de culture qui est sertie de forme rectangulaire. Donc c'est assez original, c'est en plaqué or. Et évidemment, on peut, y a une chaîne de rallonge, donc on peut le porter de différentes longueurs. Est-ce que ça va bien rendre? On va se débrouiller. Je vais la mettre au plus court, moi. Donc on peut, évidemment, vous l'aurez compris, plus en version sautoir. Bah si, bien sûr, vous allez voir. Il a un bel éclat. Voilà, donc là, c'est vraiment au plus court. Donc vous l'aurez compris, je pense que ça peut aller jusqu'ici. Je vous montre la petite carte de visite avec vraiment le nom. Perle de culture. Donc voilà, ça c'est le collier qui est vraiment très original. Et je sais que ce modèle existe dans différents coloris, donc avec différentes pierres. Et le petit bracelet, voilà, donc c'est évidemment la même collection, donc le même modèle. Ah non, ils me mettent exactement, l'adresse c'est à Saucer-les-Pins. Saucer-les-Pins, oui, enfin ça reste à côté des villes que je vous ai décrites. Création de bijoux fait main. Et donc ce cadeau box gold a une valeur de 65 euros comme d'habitude. Si vous voulez voir un petit peu ces créations, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Et elle m'a également précisé que le plaquage était fait en France. Allez, c'est parti pour la présentation. Le flyer. Est-ce que je vous l'ai montré? C'est possible dans un vlog. Dans un des vlogs. Non, je ne l'ai pas montré justement. Non, je ne l'ai pas montré. Je suis allée chez l'imprimeur, mais je n'ai pas montré. Je reviens livraison. Qu'est-ce que c'est, mon Jackie? Ça, c'est pour avancer dans la production. Donc, je reprends. T'es là, mon Jackie? Il est sage. Hein. Donc, ce mois-ci, le flyer représente un cerisier du Japon avec les fleurs de cerisier. Voilà. Alors, j'avais la possibilité, comme à chaque fois, soit de mettre le contour blanc, soit de l'avoir pleine page. Et là, je trouvais que ça rendait mieux. Et nous avons le descriptif au dos, évidemment, je le rappelle, pareil, comme la box gold, tous les partenaires de la box, enfin, comme je dis partenaires, toutes les marques présentes dans la box, vous pouvez les retrouver en barre d'infos. Et le thème, ce mois-ci, donc, c'est la prodigieuse. Vous allez trouver notamment un article qui n'a encore été dans aucune box, ou juste une. Je crois que c'est la box d'Inès de la Fressange. Et c'est un produit que vous retrouvez en fait dans les plus grosses box, mais pas dans les box, dans leur e-shop, à un prix un petit peu plus bas, mais qui reste quand même à 47 ou 48 euros sur leur site, alors que ça coûte 53. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'ai réussi à vous l'intégrer dans chacune des box. C'est parti pour l'ouverture. Écoutez, je vais commencer par le fameux produit d'exception. Et c'est un sérum. Alors moi, je fais partie des personnes qui utilisent des sérums depuis très 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 longtemps. Matin et soir, je ne peux pas m'en passer. Et je vois surtout des résultats sur ma peau. Et là, en fait, c'est un sérum qui a déjà un certain coût. D'où le fait que aucune box n'a pu l'intégrer parce que 53 euros. C'est donc la superbe marque Leonia Paris. Et c'est le sérum au thé blanc. Est-ce que vous savez quand même que, idéalement, si vous voulez que vos soins agissent, il faut mettre un sérum avant. C'est le sérum qui va faire que votre soin, en fait, va être absorbé. Voilà, il y a tout un tas de choses. Vous pouvez même cumuler, mettre plusieurs sérums. Ils ont d'ailleurs remporté le trophée Cosmilio. Quand je vous dis que c'est un produit d'exception, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un sérum pour le visage, vous l'aurez compris. Voilà, c'est un flacon pompe. Le contenant est en verre. Je l'utilise matin et soir depuis maintenant un bon mois. Hein. Donc franchement, je vois le net mieux. C'est quand même le sérum antioxydant, mais qui va venir donner un coup d'éclat. Et ça va.
Je crois que j'ai un coup d'éclat à la peau. Je reprends quand même ma petite fiche pour pas me tromper. Il a vraiment cette petite odeur, je pense que c'est le thé blanc. Le sérum booster d'éclat est antioxydant, pénètre rapidement, ce qui est vrai, pour une action hydratante, éclatante et protectrice. La peau est douce et délicatement parfumée. Ouais, c'est ça, donc je pense que c'est le thé blanc qui a cette légère odeur. Parfum 100% d'origine naturelle, note de tête, donc thé blanc, note de fond, fleur de cerisier. Oh. Moi, je vous conseille vivement de le mettre matin et soir. Évidemment, vous pouvez le mettre que le matin. Sur une peau démaquillée, propre. Et c'est évidemment un produit qui est made in France. Je vous ai également glissé le flyer. Première marque mondiale de cosmétiques bio au thé blanc. Donc naturel et bio, éco-responsable, made in France, vegan, solidaire. Je suis très fière d'avoir pu l'intégrer dans ma box. Vous avez un sérum d'exception. Vous pouvez... Allez-y. Il y a des jours comme ça. C'est ça. Ah bah, et puis là, ça appelle. Oui, allô. Alors, je vous explique. La lumière doit être différente. Parce qu'en fait, le menuisier est venu chercher mon volet. Volet qui était fermé depuis un moment. Donc forcément, la lumière est au plus. Ça pour vous dire que c'est énorme qu'elle soit dans la box le boudoir. Et réellement, j'ai vu, mais... un net mieux sur la qualité de ma peau et sur un côté un petit peu plus glowy, même au réveil, un peu plus, comme on appelle ça, plumpé, donc rebondi. Voilà pour le premier produit. On passe aux bijoux. Alors, ce mois-ci, c'est un petit bracelet coup de cœur. Je l'ai montré comme je fais à chaque fois à mon entourage, donc vraiment un panel, même d'âge différent. Et à l'unanimité, il a beaucoup plu. Pochon comme ça en satin, les tissages de Camille. On a la pampille là qui dépasse, vous la voyez? Petite plaque comme ça rectangulaire. C'est le bracelet Daisy qui coûte 42€. Donc déjà, le sérum plus le bracelet, on est à 95€ valeur de produit. Donc la box est largement, largement rentabilisée. Qu'est-ce qu'il est beau! Alors, chaîne de rallonge évidemment. De plus près, voilà ce qu'il donne. C'est une petite marguerite avec deux petites... à côté. C'est doré à l'or fin 24 carats. Ça a été assemblé donc pareil à la main en France. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Si j'incline comme ça, moi aussi je pense que vous allez bien voir quand même. Et j'ai très conscience hein, qu'il va y avoir pas mal de variations de lumière, mais bon. Donc voilà le bijou d'avril, le bracelet Daisy. On passe à la suite. Ça faisait un petit moment que je voulais vous glisser ceci. Ce sont des carnets code secret. Je dis ce sont parce qu'en fait, il y aura deux modèles possibles. C'est hyper pratique. On a tellement de codes à se rappeler. Les mots de passe, les identifiants, les machins, dans tellement, tellement de sites et de catégories que je me suis dit que c'était peut-être pas mal de vous glisser un carnet code secret. Donc, on a ce modèle-ci qui s'appelle Boudoir français. Est-ce qu'il a été fait personnellement pour la box? C'est possible. Et nous avons ce modèle qui est identique au niveau de l'intérieur. Donc, c'est par ordre alphabétique. Vous avez vraiment, vraiment de quoi faire. Le nom du site, l'identifiant, le mot de passe et des petites notes si jamais vous avez besoin. C'est très, très, très pratique. C'est l'édition des correspondances, marque avec laquelle j'ai déjà collaboré. Et j'avais glissé dans ma box des miroirs. Miroir de poche dans un petit écrin en satin qui était quand même assez grand. Hein. Et donc j'ai réitéré l'aventure avec la marque. Ça faisait, je vous dis, ça faisait un moment que je voulais les mettre, ces petits carnets. Carnet de codes secrets indispensable à chacun. On a beau être doté d'une mémoire. Avec tous les codes que nous devons régulièrement modifier, on a bien du mal à se souvenir de tous. Vous pourrez ainsi noter vos codes et identifiants. Il y a 36 pages imprimées sur Offsnet, naturel de qualité supérieure. Donc j'ai regardé Offsnet, c'est effectivement c'est quelque chose. C'est un procédé qui est haut de gamme. On poursuit avec la gourmandise. Alors ça, c'est une marque avec laquelle je n'ai encore jamais travaillé. Et c'est une très belle marque qui a intégré notamment des très beaux hôtels 5 étoiles parisiens. C'est-à-dire qu'on retrouve la marque et ces petites choses dans les chambres d'hôtel et dans les mini-bars. Donc voilà, ça a suffi pour me séduire. J'ai fait une petite sélection. Comme d'habitude, j'ai demandé à la marque de goûter, hein. C'était avant que je fasse ma cure de sensu. C'est la marque Nola Confiseur, N-O-L-A. Quand tu veux le focus, voilà.
Ce sont, il y a un contenant quand même qui est assez conséquent, je crois que c'est du 100 grammes, ouais, 120 grammes. Donc on a 120 grammes et ce sont des petits bonbons. Donc ceux-ci, ce sont à la violette. Et c'est hyper subtil, c'est vraiment très très bon. Ce sont des goûts qui ne sont pas communs. Et j'ai choisi également coquelicot. Voilà, c'est comme ça. C'est vraiment des petits bonbons à l'ancienne. J'ai trouvé ça tellement original et voilà, c'est en plus c'est très mignon. Et le fait que voilà, ce soit également dans des très beaux lieux comme l'hôtel, je regarde, mais il me semble que c'est les, voilà, les hôtels 5 étoiles parisiens Grand Powers. Je ne sais pas si vous connaissez. Bonbons au coquelicot, spécialité de la ville de Nemours, où la tradition de la fabrication de bonbons au coquelicot remonte à plus de 150 ans. Notre bonbon sucre cuit est fabriqué avec un arôme naturel et le bonbon à la violette, inspiré de la célèbre fleur de Toulouse à 5 pétales. Les violettes sont élaborées avec un arôme naturel. Ce bonbon à l'ancienne ravira vos papilles avec sa douceur et sa saveur florale unique. C'est vrai, c'est très très original. Donc ce sont évidemment des bonbons français. Donc voilà pour le contenu de la box d'avril. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous sommes passés évidemment à la box du mois de mai. Attention, accrochez-vous bien. Forcément le mois de mai, donc c'est, je fais toujours des box un petit peu pas différentes, mais vu que c'est fête des mères, c'est vraiment la box pour se faire plaisir et pour faire plaisir. Il y a des choses que j'ai fait faire avec les designs, des coloris. Le bijou, je l'ai dit dans un vlog, est en création depuis 3 ou 4 mois. Là, je viens d'avoir la confirmation, elle m'a montré tout. Il y aura 3 modèles possibles. Ce sera le même, mais avec dans des coloris différents. Hyper original, j'adore. On va avoir également une petite création déco pour la maison. On va avoir évidemment d'autres petites choses. Et croyez-moi, elle va être sublime. Donc c'est le moment, vous pouvez la commander, la box de mai, jusqu'au 10 mai inclus. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette sélection vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao!